Alors, je vais essayer de déplier avec vous ce soir trois moments, trois figures en fait de Romain Gary. Romain Gary, le mythe, Romain Gary, le jongleur ou le danseur, et Romain Gary, le paria. En fait, je vais essayer de parcourir ces trois moments-là, ces trois figures-là. Et je voudrais commencer par le citer, bien sûr, ce que je ferai assez souvent dans ce parcours. Romain Gary écrit, je ne vous dirai pas à chaque fois où est-ce qu'il écrit les textes que je vous citerai, mais vous avez la possibilité de les avoir sur Facebook, je crois, hein. Il écrit, il ne s'agit pas de savoir si un rêve est absurde et irréalisable, mais s'il vous aide à tenir le coup. Il y a des chimères qui ont bâti des civilisations et des vérités qui ont tout détruit et n'ont rien su mettre en place. Fin de citation. Ce que l'on connaît d'abord de Romain Gary, c'est l'affaire Émile Ajar. Cette affaire qui fit se trémousser le cénacle littéraire, et depuis d'ailleurs, la question est assez récurrente, est celle de démasquer ce Gary. Comme si on voulait démasquer cet Ajar. Il n'est d'ailleurs que de lire la biographie que Myriam Anisimov a écrite il y a une dizaine d'années, où cet auteur, qui a intitulé son livre Romain Gary, le caméléon, écrit Mina, c'est la mère de Romain Gary, a-t-elle fait sombrer son fils dans une sorte de mythomanie? Ça, c'était la phrase qu'elle mettait en perspective dans son livre. Et donc, pendant un certain nombre d'années, il s'agissait de savoir ce qu'il en était de cette imposture, que bien sûr je mets entre guillemets, comme si savoir qui était Ajar ou qui était Gary aurait rendu compte d'une quelconque vérité. L'entreprise littéraire de Romain Gary a sans cesse voulu faire résonner vérité et savoir en dehors des coordonnées logiques ou classiques du vrai et du faux, et ce davantage dans une perspective de trompe-l'œil dont l'effet était de ruser avec la mort. Si Gary est un porte-voix, un personnage qui avance masqué, ce serait par nécessité d'échapper au danger de lui-même, au danger de sa propre mélancolie. Vous aurez compris que mon propos ira bien sûr à contre-courant de ces tentatives de démasquage. Puisque pour Gary, cette aventure, cette façon d'avancer masquée, était une nécessité subjective. On a donc voulu démystifier un écrivain dont tout le propos était précisément de tenir le mythe comme la condition même de la création, voire de la survie. Mythe et fiction de soi-même pour faire tenir une vie singulière et créative, la faire tenir au bord d'un danger qui était le désastre. Le désastre, c'est-à-dire chute d'un astre rêvé, autrement dit le réel. Pour Gary, il s'agit de rendre au mythe, à la légende, à la mascarade, son statut de vérité, son aura d'authenticité. Chez lui, le paradoxe qui consiste à marquer le mensonge du sceau de la vérité tisse toute son œuvre. Tendu vers un projet de création non seulement littéraire, mais de création d'une figure fictive qui dessine les contours d'une vie habitable, d'un lieu de soi possible. Comme si précocement marqué par le réel traumatique d'une violence faite à l'humain, à l'humanité entière, notamment lorsqu'il vit les moments de guerre, hein, où il voit ses amis tomber sous les obus. Donc, comme si précocement marqué par le réel traumatique, il y avait dans le projet esthétique de Gary la nécessité éthique de l'invention de soi. Je le cite, Dans la nuit sera calme. La création littéraire devint pour moi ce qu'elle est toujours, à ces grands moments d'authenticité, une feinte pour tenter d'échapper à l'intolérable, une façon de rendre l'âme pour demeurer vivant. Fin de citation.
Un vivant dont l'âme s'est retirée ne serait-ce pas une certaine façon de définir les contours d'un fantôme? Gary n'aurait-il été si présent, si prolixe, si amant, si excessif que pour habiter ce qu'il était, c'est-à-dire une figure fantomatique, une figure d'absence à lui-même, un point de fuite derrière lequel il courait pour y voir sans doute quelque chose, ou à côté duquel il marchait pour y comprendre quelque chose. Et si Gary, que l'on veut démasquer, n'était qu'une figure de l'effacement, une figure de l'absence de soi, une trace de l'absence de soi. Si l'œuvre de Gary n'était pour lui que la constitution d'un seuil, d'un lieu de passage, qui le tenait précisément entre la mort et la vie. Gary serait alors une figure de l'épiphanie et l'aphanisis, c'est-à-dire de la disparition et de l'apparition. Non pas figure du disparu, mais du mouvement même de l'apparition, de l'apparaître, du disparaître, c'est-à-dire une image. Le fantôme hante les lieux et passe les murs. Il est toujours dans un excès de présence, dans un retour au même lieu, à la même place. On sait très bien, et j'y reviendrai, ce que Freud dit de l'unheimlich, de l'inquiétante étrangeté. Le fantôme tient sa densité du tissage entre l'étrange et le familier. Il a un corps d'une densité et d'une présence envahissante, mais tenter de le saisir l'effacerait, le gommerait, le ferait disparaître. Gary écrit dans Europa: voilà, docteur, ce serait assez comique si c'était moins éprouvant. Il m'arrive de plus en plus souvent de ressentir une sorte d'effacement, de perte d'identité, la sensation d'être gommé. Fin de citation. Freud avait insisté sur la qualité corporelle de l'expérience de l'unheimlich. C'est une expérience qui met en jeu le corps dans ses représentations, dans ses vacillements, dans ses pertes de repères et d'identité. Que ce soit l'exemple du reflet dans la porte vitrée du train ou celui où il parcourt plusieurs fois la ville, dans le chemin, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, hein, pour se retrouver au même endroit, le corps, là, est en jeu, mu par une étrange impossibilité de se dégager de lui-même. L'excès du même participe de l'expérience de l'unheimlich. Tout se passe comme si, prisonnier de lui-même, le corps ne pouvait s'échapper que par le jeu de sa propre disparition, son éclipse ou sa déformation, voire son travestissement. Parce qu'il y a dans cette inquiétante étrangeté à la fois de l'excès et de l'effacement. Gary a fait usage de masques, non pas tant pour se cacher, mais pour ne pas regarder en face ce qui le hantait, à savoir ce rien. Je le cite. Dans la nuit sera calme. Qui est une fiction, en fait, tout à fait intéressante, d'une interview. Il met en scène François Bondy, et en fait, bon, bref, on lui a reproché de mettre en scène cette interview fictive. Enfin, bon, c'était pas très important. En fait, on lui a toujours reproché de mettre en scène des fictions, quoi. Bon. Donc, je cite. « J'avoue que je ne sais pas ce que tu essayes de cacher », lui demande François Bondy. Gary répond. « Rien, lui dis-je, rien. Tu avoueras que s'il est une chose qu'il vaut mieux cacher, c'est ça. Je ne veux contaminer personne. Je garde donc rien pour moi. Cacher par tous les moyens ce rien que l'on ne saurait voir. » Fin de citation. L'épreuve de Gary réside alors dans cette tentative de s'apparaître à lui-même, dans cette lutte contre la perte d'identité, contre l'envahissement de ce sentiment tenace d'effacement de soi. Et cette tentative s'inscrirait dans un excès de visibilité, dont il connaît aussi la méprise, la fonction de leurre et d'illusion. L'expérience de Gary serait alors celle d'un incessant déplacement et d'une nécessaire transformation. Métaphore et métamorphose de lui-même, afin d'échapper à ce rien, ou du moins de tenter de le travestir. Je vous cite là une phrase de Elias Canetti que Gary aurait tout à fait pu prendre à son compte, à propos de la mélancolie. Canetti écrit « La mélancolie commence quand les métamorphoses de fuite sont achevées et qu'on en éprouve l'inutilité. Dans la mélancolie, on est la proie rattrapée et déjà saisie. On ne peut plus s'échapper. On ne se transforme plus.
Tout ce qui a été essayé a été vain. On s'est résigné à son sort. On devient une proie. Fin de citation. Afin d'échapper à la mélancolie, il s'agirait alors, pour Gary, d'habiter un non-lieu, un lieu inassignable, impossible à circonscrire, apatride. Gary écrit dans Pseudo, qui est donc sous le nom d'Émile Ajar. Je cite Ajar, donc. « J'ai tout essayé pour me soustraire, mais personne n'y est arrivé. On est tous des additionnés. J'avais pourtant élaboré un système de défense très au point, devenu connu dans le jeu d'échecs sous mon nom, la défense Ajar. Ils m'ont expertisé, analysé, testé, percé à jour, et mon système de défense s'est écroulé. J'ai été guéri, et il écrit ça évidemment entre guillemets, j'ai été guéri et remis en circulation. » Fin de citation. Gary, donc, le fantôme, erre partout le monde, vagabonde, virevolte dans l'espace et dans le temps, devient celui-ci ou devient celui-là. C'est pourquoi il a suscité tant de fantasmes. Et c'est aussi pourquoi il a tenté de le on a tenté de le circonscrire, de l'identifier, pour le mesurer, le contrôler et donc le guérir. Le guérir de quoi ? Peut-être de cette volonté de puissance. Gary le fantôme devenait alors une figure de fantasme. Pour Freud, le fantasme est une formation psychique en constant mouvement. Freud l'appelait le noir-blanc, le métis, sans mêler. Sans mêler, hein, S-A-N-G, mêler, parce que sans mêler, c'est un peu... C'est pas du rugby, quoi. Hein, voilà. Donc le métis, hein, pour montrer que le fantasme change sans cesse de registre dans un va-et-vient entre le conscient et l'inconscient. N'est-ce pas de la nature même du fantôme, fantôme, fantasme, donc, bien sûr, vous reconnaîtrez que les étymologies sont semblables, c'est les mêmes racines, n'est-ce pas de la nature même du fantôme que de n'être ni dedans ni dehors, un être intermédiaire, un entre-lieu. Gary écrit, dans la nuit sera calme. Je plonge toutes mes racines littéraires dans mon métissage. Et il met ça entre guillemets. Je plonge toutes mes racines littéraires dans mon métissage. Je suis un bâtard et je tire ma substance nourricière de mon bâtardisme, dans l'espoir de parvenir ainsi à quelque chose de nouveau, d'original. Ce n'est d'ailleurs pas un effort. Cela m'est naturel. C'est ma nature de bâtard qui est pour moi une véritable bénédiction sur le plan culturel et littéraire. C'est pourquoi d'ailleurs, certains critiques traditionnalistes voient dans mon œuvre quelque chose d'étranger, il met ça entre guillemets, un corps étranger dans la littérature française. Ce sont les générations futures, pas eux, qui décideront si ce corps littéraire étranger est assimilable ou s'il vaut la peine d'être assimilé. Mais cela ne constitue-t-il pas justement ce qu'on appelle un apport original ? Fin de citation. Ce corps littéraire étranger serait pour Gary, donc, une tentative pour tenir une position subjective. Après tout, Gary n'aurait été dans le geste d'écrire que pour brouiller les pistes, non pas de sa vie, mais de sa mort même. Parce que Gary, comme il le dit très souvent, était déjà mort depuis longtemps. C'est le principe même de la mélancolie. Qu'importe que Gary fût Ajar, Gary était mort depuis longtemps déjà, et c'est cela qu'il nous cachait dans ce style humoristique, baroque, excessif, dont il usait parfaitement. Je le cite dans « Vie et mort » d'Émile Ajar. Je cite Ajar. « Je me suis bien amusé, merci, » dit-il, dans un style qu'il qualifie lui-même de baroque, et j'y reviendrai, et de comique. Mais je reviendrai là-dessus. Gary a tissé en permanence le leurre nécessaire pour paradoxalement y voir quelque chose. Pour demeurer vivant, Gary avait déjà rendu l'âme. Le linceul qui le recouvre est ce voile nécessaire à faire tenir quelque chose de soi. Ne vaut-il pas mieux être un fantôme plutôt qu'un cadavre ?
Aussi s'agit-il de faire du voile et du masque le passage, le lieu de seuil entre le réel et l'imaginaire, de constituer une figure de bord, selon l'expression de Louis Marin, qui est un philosophe de la représentation et de l'image très important, de constituer donc une figure de bord qui permet de tenir et de survivre, de ne pas sombrer dans un excès de lucidité. Car on le sait, voir le soleil ou la mort en face est le plus grand des dangers. Toute la tentative de Gary aura été alors de ruser avec cette mort en face, de détourner son regard de cette capture possible et médusante, de cette mort gorgone qu'il avait vue déjà si souvent. Je le cite. « Aucun frère nouveau, aucun ami rencontré après la guerre ne sera à la hauteur de cette fratrie pulvérisée. C'est une manie chez moi, on le verra, que de vivre ma vraie vie avec des fantômes. » Il me semble que le paradigme du masque, de la parodie et des effets de trompe-l'œil porterait cette fonction de mise ou de remise en jeu d'un mouvement pulsionnel psychique qui s'est défait des affects gelés par l'horreur et l'effroi. Les masques sont porteurs de toute la dimension du fantôme, du caché, du montré et de la déformation, d'un passage tant métaphorique que métamorphique. C'est en cela que le fantôme a une fonction de fantasme, il déplace et il transforme. Il provoque aussi de l'amour. Il accède ainsi à une forme d'immortalité. Et dans Les Enchanteurs, Gary fait dire à Fosco, qui est l'un des personnages principaux de ce livre, qui s'appelle donc L'Enchanteur, il fait dire à Fosco « Je vous ai déjà donné le secret de cette immortalité. J'ai charge d'amour, dit-il. » Donc, dans un premier temps, je voudrais déplier cette figure de mythe. Pourquoi ? Parce que je crois que toute l'intention esthétique et éthique de Gary, c'est d'inventer, de s'inventer pour atteindre quelque chose de sa propre vérité. Je cite Gary dans « La promesse de l'aube ». Je regardais un bref instant cette colonne de fumée noire que je devais par la suite voir tant de fois au-dessus des avions morts. Je vécus là la première de ces brûlures de solitude soudaine et totale dont plus de 100 camarades tombés devaient plus tard me marquer jusqu'à me laisser dans la vie avec cet air d'absence qui est, paraît-il, le mien. Peu à peu, au cours de 4 années d'escadrille, le vide est devenu pour moi ce que je connais aujourd'hui de plus peuplé. Fin de citation. Face à la mort à la deuxième personne, selon l'expression de Yankelevitch, l'angoisse et la douleur envahissent le corps, provoquent une inflation de néant. Cet excès de douleur ne trouve plus ni de forme ni de bord, ni même de lieu psychique. Et dans un même temps se présente comme une fixation, une pétrification, une néantisation. La douleur absente le corps de lui-même, absorbe le corps dans une telle densité pétrifiée qu'aucun mouvement n'est plus possible. Dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, Lacan a cette très belle phrase qu'il reprend dans la perspective heideggerienne lorsqu'il définit la douleur. Je cite Lacan. Nous devrions peut-être concevoir la douleur comme un champ qui, dans l'ordre de l'existence, s'ouvre précisément à la limite où il n'y a pas possibilité pour l'être de se mouvoir. N'est-il pas vrai que l'être vivant qui n'a pas la possibilité de se mouvoir nous suggère jusque dans sa forme la présence de ce que l'on pourrait appeler une douleur pétrifiée ? Donc c'est la question de la douleur liée à la pétrification, l'impossibilité de se mouvoir. Face à la douleur, Gary a vécu cette pétrification. Et il parle souvent dans son corps même de cette impossibilité de se mouvoir, qui paradoxalement, précisément, génère chez lui un excès de mouvement. Et voilà, c'est toujours ça le paradoxe et la dialectique chez Gary. L'annonce traumatique de la perte et de l'horreur affecte le corps et l'enveloppe d'une certaine absence qui le laisse entre vie et mort. Vivre en disparu, ce n'est pas vraiment la mort, c'est sans doute plus que cela. C'est tomber au fond du puits de soi-même, comme la pierre de la douleur dont je vous ai parlé.
La douleur et l'angoisse sont des affects et en tant que tels, ils sont noués, liés au corps. Aussi, soumis, terrassés par l'angoisse et la douleur, aveuglés par le spectacle de la chair éclatée ou putréfiée, Gary écrivait, s'inventait des heures durant, avant et après le combat, qu'il fût un combat de guerre ou qu'il fût d'ailleurs aussi un combat d'amour. Vous savez que Gary a été dans l'armée combattant de nombreuses années. Donc, face à cette douleur, Gary écrivait, s'inventait, jusqu'à ce que l'écriture de la fiction ne relie plus cet affect au corps et qu'il lui fût impératif alors de s'auto-engendrer, d'animer cette pétrification du fond de lui-même, de s'inventer aussi une identité nouvelle. Lorsque la métaphore ne permet plus de tenir face à la mélancolie, les métamorphoses de fuite s'imposent alors. Lorsque le geste d'écrire ne suffit plus, le corps lui-même se voit soumis à une nouvelle écriture de soi. L'effroi ou la frayeur ne vont pas sans provoquer un choc qui fait éclater le corps. Quel est le mécanisme de défense qui est à l'œuvre lors d'un traumatisme ? Freud puis Ferenczi sont à ce sujet-là assez clairs et n'ont pas bougé d'ailleurs par rapport à ça. Ils disent l'un comme l'autre que c'est le clivage. Le mécanisme de défense à l'œuvre lors d'un traumatisme, c'est le clivage. Devant une réalité qui excède la réalité elle-même, face à une réalité qui ne fait plus paravent à l'horreur, devant l'effroi et l'innommable, le moi éclate, se fragmente, se déchire, se disloque. Devant l'épreuve de réalité, le conflit apparaît alors entre, et là je vous lis Freud, entre la revendication de la pulsion et l'objection faite par la réalité. Autrement dit, c'est cette fameuse phrase que Octave Manoni va commenter des années plus tard. « Je sais bien ce qui est arrivé, mais quand même, je ne veux pas savoir. » Donc, devant le traumatisme, se crée ce que Freud va nommer une déchirure qui ne guérira jamais. Je cite Freud. « Le succès a été atteint au prix d'une déchirure dans le moi, déchirure qui ne guérira jamais plus, mais grandira avec le temps. » Freud poursuit en disant « Les deux réactions au conflit, réactions opposées, se maintiennent comme noyaux d'un clivage du moi. » En fait, ce qui est tout à fait intéressant, c'est en 1938, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que jusqu'à la fin de son parcours théorique, Freud considère que le clivage du moi est structurel. Et Freud poursuit en disant « L'ensemble du processus ne nous paraît si étrange que parce que nous considérons la synthèse des processus du moi comme allant de soi. Mais là, nous avons manifestement tort. » En fait, ce que Freud dit et qui est très important, c'est que le moi ne peut pas être considéré comme synthétique ou entier ou authentique. Voilà. Il y a nécessairement devant des éléments traumatiques, une déchirure et donc un clivage. À la fin de sa vie, donc, Freud pose le résultat, bien plus que l'hypothèse, que la déchirure causée par une réalité inconciliable, inélaborable pour la vie psychique, produit non pas du refoulement, mais, je le répète, un clivage qu'il nomme aussi une simultanéité contradictoire. C'est tout à fait intéressant. Parce que cette simultanéité contradictoire, c'est la façon que Freud a de rappeler ce qu'un petit garçon, c'est une note dans l'interprétation des rêves, ce qu'un petit garçon lui dit lorsqu'il apprend la mort de son père. Et ce petit garçon, Freud dit, voilà, ce petit garçon de 10 ans me dit « Je veux bien accepter que mon père est mort, mais je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas dîner ce soir. » Donc il y a là ce que Freud appelle cette simultanéité contradictoire. Non pas donc de l'oubli, mais la nécessité de satisfaire à la fois au principe de plaisir, il n'est pas mort, et au principe de réalité, il est mort. C'est ça la simultanéité contradictoire. C'est-à-dire que d'être à la fois et dans le principe de plaisir et dans le principe de réalité. Donc, face au traumatisme, l'objet disparu est mort. Et il n'est pas mort.
C'est en cela que la déchirure ne cicatrise jamais. Parce que, tout simplement, il n'y a pas, et là je cite Gary, une faculté apaisante de l'oubli. Voilà. Gary n'avait pas, et il le rappelle souvent, cette faculté apaisante de l'oubli. Dans ce brouillage des frontières, dans ces terrains psychiques de l'informe, Freud, et dans sa suite donc Ferenczi, insiste sur cette tension, hein, sur cette impossibilité de concilier ou de séparer l'objet du sujet. En d'autres termes, cette simultanéité contradictoire remet alors en question toute tentative de définition, de distinction entre l'objet et le sujet, de distinction entre le moi et le monde extérieur, de distinction entre le dedans et le dehors. Il y a sans cesse un brouillage. Brouillage qui défait, hein, toute tentative de détermination des espaces. Il semble donc que ce clivage interroge en permanence les catégories et les frontières entre l'ombre de l'objet et l'objet lui-même. Une des questions que pose Gary dans cette tentative qu'il a de recoudre la déchirure par le mythe et par la légende de soi, hein, une de ces questions est « Comment survivre à la déchirure du moi ? Comment survivre à la fragmentation de soi ?» Pour Gary, une des possibilités pour recoudre, hein, cette déchirure consisterait à voir flou, à regarder la réalité par un prisme déformant, fantasmagorique, de la vivre au travers d'une certaine fabrique hallucinatoire. Je cite Gary dans Pseudo. « Cette nuit-là, j'ai eu de nouvelles hallucinations. » Je voyais la réalité, qui est le plus puissant des hallucinogènes. C'était intolérable de voir la réalité. J'ai un copain à la clinique qui a de la veine, qui voit des serpents, des rats, des larves, des trucs sympas quand il hallucine. Moi, je vois la réalité. Je me suis levée, j'ai allumé l'espoir pour faire un peu plus clair et moins vrai. Une allumette, je veux dire. N'avouez jamais, poursuit-il. La réalité, dit-il encore, écrit-il encore, la réalité, il n'y a pas plus effrayant comme hallucination. Fin de citation. Il s'agirait alors de voiler le gouffre qu'est la vision de cette réalité, afin que la vie psychique reprenne une forme habitable, vivable. Chercher un au-delà du principe de réalité. Évidemment, dans et par un excès du principe de plaisir. Gary raconte souvent, dans La promesse de l'aube notamment, il raconte souvent que sa mère lui contait des histoires d'enfants, des contes, des récits merveilleux. L'excitation ressentie par ses souvenirs au contenu énigmatique stimule le désir de trouver ou de retrouver ces contes, ces récits, qui sont la mythologie de son enfance. Gary, dans La promesse de l'aube, et on l'entend évidemment au travers de ce qu'il dit de sa mère, est un véritable héros, un héros légendaire, c'est-à-dire qu'il fabrique une lecture de lui-même qui puisse tisser un texte psychique. Une légende, qu'est-ce que c'est qu'une légende ? C'est une lecture de soi, peu importe qu'elle soit vraie ou non, elle permet le mouvement de la lecture, le tissage d'un texte et l'apprentissage d'une langue intime. Je cite Gary dans La promesse de l'aube, où il fait dire à sa mère, c'est du discours indirect, donc je cite Gary citant sa mère. Écris des textes qui donnent la parole à ceux que tu as connus. Ne dis pas forcément les choses comme elles se sont passées, mais transforme-les en légendes et trouve le ton de voix qu'il faut pour les raconter. Fin de citation. Le projet esthétique et éthique de Gary permet la traversée d'une expérience intérieure, c'est-à-dire la façon d'échapper pour un temps à la vision d'effroi de sa propre barbaque. Et évidemment, je reprends un terme que Gary emploie souvent quand il parle de son propre corps, il parle de sa barbaque.
C'est en cela que le projet de Gary n'est pas en soi un objet littéraire définissable, mais davantage un processus, une force en acte, un mouvement, une agency, voilà, je dirais aujourd'hui, hein, j'emploierais ce terme, puissance d'agir. Je cite Gary. Dans la nuit sera calme. L'homme sans mythologie de l'homme, c'est de la barbaque. Tu ne peux pas démythifier l'homme sans arriver au néant. Et le néant est toujours fasciste. Parce qu'étant donné le néant, il n'y a plus aucune raison de se gêner. Les civilisations ont toujours été une tentative poétique, que ce soit religion ou fraternité, pour inventer un mythe d'homme, une mythologie des valeurs, et pour essayer de vivre ce mythe, ou du moins de s'en rapprocher, le mimer de sa vie même, l'incarner dans le cadre d'une société. Fin de citation. Très intéressant de voir comment Gary, à cette époque-là, veut continuer de penser que ce qui pourrait préserver le néant, enfin, ce qui pourrait préserver l'homme du néant, c'est-à-dire du fascisme, reste la tentative poétique et la mythologie. Mythologie, non pas en termes des mythes, hein, mais bien sûr. La mythologie, pour Gary, devient donc un trompe-l'œil ou un trompe-la-mort, une façon de ruser avec elle, une façon de ruser avec l'effroi qui guette et le souffle de la mort. Mimer sa vie, tel était le projet esthético-éthique, si je puis dire, de son propre mythe. Pourquoi mimer sa vie? Eh bien, pour survivre. La mort de l'autre ouvre un gouffre, un trou, dont seul le nouage imaginaire et symbolique pourrait tenter de rapprocher les bords. Comment faire une place à la disparition de l'autre sans être soi-même à cette place-là? Ou sans être soi-même cette place-là? La fabrique d'un leurre paraît le mouvement nécessaire pour tenter de dessiner cette place, de tracer les contours d'une forme qui donnerait un visage. Telle serait donc, je l'ai dit, la fonction du fantasme, du fantôme, métaphore et métamorphose. Pour Gary, donc, la fabrique du mythe constitue le mouvement où s'est créée l'insistance souveraine du leurre, pour reprendre une expression de Louis Marin. Je cite Gary dans « La nuit sera calme ». On a volé à l'homme sa part d'imaginaire, sa part mythique, et cela ne donne pas un homme vrai, cela donne un homme infirme et mutilé, parce qu'il n'y a pas d'homme sans part de poésie, sans part d'imaginaire, sans la part Rimbaud. Ce n'est pas le règne du réalisme, c'est le règne du zéro. Or, s'il est une part humaine qui ne peut se passer d'imaginaire, c'est notre part d'amour. » Fin de citation. Légende de lui-même, pour donner à lire une surréalité habitable et vivable, Gary portait le masque comme pour mieux s'accorder avec une réalité qu'il avait déformée par sa violence, par sa brutalité, par sa sauvagerie. Et si nous nous aventurons à vouloir faire tomber le masque, peut-être y verrons-nous l'horreur de la chair nue, l'effroi de l'informe, parce que s'il y a masque, c'est aussi pour voiler le cadavre. Bon, je fais juste une petite incise, c'est une petite interprétation avec laquelle moi-même je ne suis pas d'accord. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, très peu de temps après avoir été démasqué, hein, justement, après que son neveu est allé apostrophe, enfin peut-être que vous vous connaissez, etc. Très peu de temps après cet épisode, qui avait fait évidemment le scandale littéraire, puisque Ajar avait eu le Goncourt, Gary avait eu le Goncourt, enfin, voilà. Très peu de temps après, Gary s'est suicidé. Bon. C'est un peu rapide, mais c'est peut-être pas que de la contingence. En tout cas, que se passe-t-il lorsqu'on veut faire tomber les masques? Eh bien, à ce moment-là, ce que je vous disais, c'est que nous verrons peut-être l'horreur de la chair nue, l'effroi de l'informe. Et c'est pourtant donc ces masques que Gary peut. C'est avec ces masques et c'est en portant ces masques que Gary peut faire l'expérience de cette décomposition même, de cette fêlure même. Je cite Gary dans Pseudo. Après avoir signé plusieurs centaines de fois, si bien
Pardon, je reprends la citation, excusez-moi. Après avoir signé plusieurs centaines de fois, si bien que la moquette de ma piole était recouverte de feuilles blanches avec mon pseudo qui rampait partout, je fus pris d'une peur atroce. La signature devenait de plus en plus ferme, de plus en plus à elle-même pareille, identique, telle qu'elle, de plus en plus fixe. Il était là. Il parle de son pseudo, bien sûr. Hein. Il était là. Quelqu'un, une identité, un piège à vie, une présence d'absence, une infirmité, une difformité, une mutilation qui prenait possession, qui devenait moi, Émile Ajard. Je m'étais incarné. Fin de citation. Notons que le mot « chair », hein, incarné, chair, bien sûr, et le mot « carnaval » proviennent de la même famille étymologique. La chair mise à nu dans la douleur et dans l'effroi se reconstitue par l'habit de carnaval, par le vêtement donnant l'illusion nécessaire que le réel pourrait être recouvert de l'imaginaire pour faire tenir quelque chose du corps. Écrire pour Gary devient donc cette expérience d'anamorphose de soi qui va produire une figure que j'appellerais la figure du jongleur ou du danseur, qui est celle aussi de l'arlequin, qui est une figure très chère à Gary. Deuxième temps, donc, Gary, le danseur ou le jongleur. Je cite Gary. « Il y a des hommes et des femmes qui souffrent en pagaille, pêle-mêle, en vrac. Au petit bonheur, la chance. Mais si j'ai traité cette authenticité en escroquerie, dans Europa notamment, c'est que j'avais besoin de cautériser, de me défendre. La réponse de Gengis Khan à l'horreur, Gengis Khan c'est un personnage très, enfin c'est un héros d'un des livres de Gary qui est très, très beau. Hein. La réponse de Gengis Khan à l'horreur, c'est le rire entre les dents, c'est la danse. Cette danse, cette gigue populaire, c'est la seule façon d'accéder à la légèreté et de supporter des poids écrasants. Et je continue de citer Gary, une citation que je trouve absolument merveilleuse, qui est une orientation, je trouve. Il écrit « J'ai écrit que si Atlas, qui portait le monde sur ses épaules, n'était pas écrasé par ce poids, c'est parce qu'il était danseur. » Fin de citation. Vous trouverez ça dans « La nuit sera calme ». Gary, donc, est un danseur, un jongleur, pris incessamment dans le mouvement. Un derviche tourneur. Il entre dans une transe où le corps ne peut connaître aucun arrêt, sous peine d'être écrasé par le poids du réel, et de connaître alors une chute vertigineuse. Là encore, ce sont par les métamorphoses faites à l'espace que Gary tente d'ordonner un rapport au monde. Ici, puis là encore, la danse, cette transe du corps, organise une complexité, diffuse la complexité. Elle est le pivot autour duquel se délie tout le dérèglement de la contorsion. Je cite Gary dans Les Enchanteurs. J'étais portée à la mélancolie et donc aux chutes dans le vide. Mais c'est là la règle de tout rebondissement. Et je rebondissais toujours. Je sentais déjà instinctivement que je ne devais pas céder un pouce de terrain à la réalité, ce qui a toujours été la grande règle de notre profession. » Fin de citation. Les figures de l'envol et du rebondissement que propose le danseur donnent à l'espace et au temps des dimensions surréelles, permettent de croire à un élan vital du corps tout-puissant, immortel, soustrait à toutes les lois de la pesanteur. La danse est le défi du corps échappant à lui-même. Le corps dépasse sa condition pesante et accède en secret au mystère des possessions démoniaques. Très souvent, Gary fait le lien entre la danse et la transe. Il y a dans la danse, dans la transe donc, un pacte avec des forces obscures, animiques et féeriques. Mais la danse n'est pas à envisager seulement dans son mouvement esthétique soustrait à toute réalité. Ici, le projet esthétique de Gary rencontre son projet éthique, je l'ai dit déjà, voire sa dimension ontologique. À l'instar de ce vieux Zappa, qui est le patriarche du livre des Enchanteurs, et Gary écrit, et c'est sans doute une de ses orientations à lui, hein, dans Les Enchanteurs, c'est la famille des saltimbanques, en fait. Hein, c'est tout le livre où Gary met en scène cette famille-là. Donc, à l'instar de ce vieux Giuseppe Zacca, le patriarche enchanteur de toute la famille de saltimbanques, Gary écrit «
qui avait rêvé pour ses fils des sommets où l'habileté d'escamoteur, l'adresse de jongleur, la souplesse de danseur de cordes et de contorsionniste peuvent mener, ceux qui, ayant développé ces qualités, sauraient les appliquer au domaine de la pensée, de la politique ou de la littérature. » Fin de citation. Ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce livre, c'est que Gary dit, en fait, les contorsions, le jonglage, la danse ne sont pas simplement liées à l'habileté du corps, mais aussi, je le cite de nouveau, saurait les appliquer au domaine de la pensée, de la politique ou de la littérature. C'est ça son projet esthétique. Et si Gary est un danseur comme Atlas, sur la pointe des pieds portant le poids du monde sans être écrasé, c'est qu'il est dans ce corps-là, hein, c'est qu'il a dans ce corps-là la possibilité de l'humour. Et ça, c'est un point aussi qui est extrêmement important pour Gary. Je le cite dans Les clowns lyriques. L'attitude de Lamarne, qui est le personnage des clowns lyriques, l'attitude de Lamarne devant la vie était devenue celle d'une parodie incessante. Il essayait de désamorcer ça avant que ça n'arrive sur lui. Il n'était pas capable de dire ce qu'il entendait par ça au juste. L'humour et la bouffonnerie n'ont jamais eu d'autre raison d'être que la volonté d'amortir les chocs. Mais poussés au-delà du minimum vital nécessaire, ils finissent par devenir une véritable danse sacrée d'écorchés vifs. Pour Gary, l'humour et la bouffonnerie devenaient une véritable danse sacrée d'écorchés vifs. Et Gary poursuit en disant, et c'est ainsi que Lamarne, donc ce personnage, s'était peu à peu transformé en un véritable derviche tourneur. Danse sacrée, danse sacrificielle, sans doute aussi, rite privé qui permet au corps de sortir de la matière qui le fige, qui le laisse prisonnier de sa propre mélancolie, dans le sens où le mélancolique serait pris dans le fossile de son propre corps. Il y a un autre danseur que Gary évoque souvent, et qu'il apprécie particulièrement. C'est le fameux jongleur Rastelli. Je ne sais pas si vous avez connu, enfin, ou si vous avez vu à l'époque, enfin, moi j'étais toute petite, mais parfois à la télévision, on voyait, c'est un jongleur, vous savez, qui faisait jongler les assiettes. Et en même temps, il jonglait avec des... Enfin, il faisait des tas de choses, tout en même temps. Donc son grand truc, c'était de faire tourner les assiettes. Voilà. Gary en parle dans La promesse de l'aube. Je le cite. Dans les couloirs de l'école, sous le regard de mes camarades éblouis, je jonglais à présent avec 5 ou 6 oranges. Et quelque part au fond de moi vivait la folle ambition de parvenir à la 7e et peut-être à la 8e, comme le grand Rastelli, et même, qui sait, à la 9e pour devenir enfin le plus grand jongleur de tous les temps. Très vite, Gary voulait devenir jongleur. Le jongleur ne peut jamais décomposer le mouvement. S'il le décompose, ça tombe. Le jongleur ne peut donc jamais décomposer le mouvement. Il est le mouvement même, davantage mouvement que but ou objectif. Il y a dans ce mouvement, il y a de la pure dépense. Et chez Gary, il y a de la pure dépense. Dépense de soi, dépense d'amour, dépense de mots, pure perte, afin que le mouvement se fasse forme esthétique, en un même élan, ne jamais cesser, ne jamais s'arrêter. Mime de soi-même, légende de lui-même, Gary ne cherche pas dans le geste de la littérature un quelconque salut. Il n'y a pas de téléologie esthétique chez Gary. Il ne cherche pas dans la littérature un quelconque salut, un objet idéalisé. Un objet idéalisé qui le conduirait potentiellement à la mélancolie. Dans son cas, l'art n'est pas une efficace opération de salut, mais une pantomime sublime au bord de la tombe, voilant pour un instant seulement les terreurs du gouffre. C'était une citation de Starobinsky dans Le portrait de l'artiste en saltimbanque. Gary, qui est un funambule, se tient sur la crête où il surplombe l'abîme. Car le danseur, le saltimbanque, l'artiste en clown, n'est pas seulement du côté du rire et de la légèreté, ou du moins cette figure est encore une figure masquée de passeur de mort et d'ombres errantes. Rire, pour Gary,
c'est laisser sortir de soi le souffle des morts. Je le cite. Dans les clowns lyriques. Depuis qu'il était un adulte, c'est-à-dire depuis qu'il se cachait, il n'arrivait à tenir que par ses moments de jeu parodique et de dérision, et si les lutins, les gnomes et le chat botté qui arrange tout n'existaient pas, il lui suffisait de quelques partenaires pour que l'angoisse ne se refermât pas entièrement sur lui. On pouvait demander cela au moins aux rapports humains. Il suffisait d'être quelques-uns à repousser le néant, la mort, pour les tenir à bout de bras, par la parodie, par le burlesque, par la dérision, par l'humour, par l'alcool aussi, par ces sortes de graffitis barbouillés sur tout ce qui nous menace et nous terrifie pour le rendre méconnaissable. » Fin de citation. C'est tout à fait, c'est très beau de voir comment Gary, dans cette citation, qualifie son écriture, à savoir par ces sortes de graffitis barbouillés. Toutes les figures évoquées sont des incarnations d'entre ciel et terre, entre l'humain et l'animal, entre la vie et la mort, entre l'étrangeté et la familiarité d'un univers qui place le saltimbanque Gary sur ce seuil parodique qui permet de barbouiller le sens de l'existence pour le rendre méconnaissable. Je cite Gary. L'arlequinade, la pitrerie ont toujours été dans l'histoire de la souffrance populaire le dernier recours avant le couteau. Fin de citation. Cette dimension parodique et comique est essentielle pour la compréhension du tragique et du mélancolique chez Gary. Troisième temps, troisième figure, qui sera la dernière. Ça va, j'ai encore un peu de temps. 5 minutes. Alors, ça va, je vais accélérer un petit peu. Troisième temps, le paria. Le paria. Je cite Gary. Dans « La nuit sera calme ». Un homme qui est bien dans sa peau est ou bien un inconscient ou bien un salaud. Personne n'est dans sa peau sans être aussi dans la peau des autres, et cela devrait nous poser quelques problèmes, non ? Fin de citation. À force de vouloir s'inventer, Gary n'a jamais cessé de se décentrer, de se décaler du lieu où l'on pouvait l'attendre. Indéfinissable dans son style, dans sa visée, dans son genre littéraire, Cassiou, Gary, Aja, parce qu'avant de s'appeler Gary, il s'appelait Cassiou. Donc Cassiou, Gary, Ajar et d'autres encore, probablement, s'est sans cesse soustrait à un discours qu'il aurait assigné à une place, qu'il aurait identifié à un rôle. Ce décentrement du sujet appelle de nouvelles formes de subjectivité. Et c'est sans doute une subjectivité sans sujet, une écriture de la disparition de l'auteur, certainement, mais aussi du sujet écrivant, que Gary propose dans toute son œuvre. Et cette traversée subjective, paradoxalement, met en jeu l'expérience de la perte d'identité, jusqu'aux confins des limites de soi, d'un soi ou d'un je, qui aussitôt su ou connu de lui-même se déloge, qui fait un pas de côté à chaque fois. Je cite Gary, parce que là je passe un petit peu, je cite Gary dans Les clowns lyriques. Je suis à peu près. Un homme à peu près, une vie à peu près, qui rêve d'un monde à peu près et d'une société à peu près. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle une civilisation, une poursuite de l'à peu près. Et dès que l'on veut aller au-delà de l'à peu près, on est dans l'inhumain. Au-delà de l'à peu près, dit Gary, on est chez Hitler et chez Staline. Dès qu'on va au-delà de l'à peu près, on tombe dans tout ce qui est ennemi de l'homme. La seule chose qui n'est pas à peu près, c'est la mort. Fin de citation. Il dit encore dans « La nuit sera calme » « Mon jeu ne me suffit pas comme vie, mon jeu J.E. Mon jeu ne me suffit pas comme vie. Si c'est ce qui fait de moi un romancier, j'écris des romans pour aller chez les autres. Si mon jeu m'est souvent insupportable, ce n'est pas à cause de mes limitations et infirmités personnelles, mais à cause de celles du jeu humain en général. On est toujours piégé dans un jeu. Le seul, fin de citation, le seul lieu habitable pour Gary pourrait être un lieu utopique, voire atopique plutôt. Tout se passant comme si je ne pouvait être que dans un lieu extraterritorial à lui-même, un hors-jeu, un jeu apatride.
hors jeu, hors patrie, hors genre. Gary tient alors le rôle du mort, qui est à la place du mort, celle-là même qui permet de saisir quelque chose d'un élan vital. C'est le paradoxe même de cette figure littéraire qui n'a cessé de vouloir être visible afin de montrer les mouvements même de sa disparition, afin de montrer les mouvements même d'une impossibilité identitaire. Car si Gary a pu agacer ou laisser indifférent les critiques littéraires ou les grands discours sur la littérature, certains le considérant comme un auteur mineur dans les années 60 où c'était l'éclosion, où c'était le triomphe du nouveau roman, vous savez que Gary a été considéré comme une sous-littérature, d'autant plus que certains disaient de lui qu'il était un auteur gaulliste. Alors évidemment, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un auteur gaulliste, mais enfin bon, en tout cas, c'était pas un style littéraire très, très branché à l'époque. Hein. Et alors, il était évidemment tout à fait conscient de ça, et il dit dans un de ses ouvrages, qui s'appelle Les cerfs-volants, « Il faut trouver quelque chose qui ne soit pas iste. » Quelque chose qui échappe à toute... Alors, c'est fin de citation. Évidemment, tout son projet était d'échapper à toute réduction discursive. Ni gaulliste, ni socialiste, ni artiste. Rien de ce qui pouvait l'enfermer dans une liste. Évidemment, tout isme, pour lui, est la marque d'une appartenance identitaire douteuse. Telle aura été la gageure du projet esthétique de Gary, appartenir à un mouvement intenable, inassignable, de paria. Je vais terminer. Qu'est-ce qu'un paria ? C'est la figure de l'exclu, de l'intouchable, de l'inassignable. Vous savez que paria, c'est un terme que l'on rencontre évidemment dans le système des castes en Inde, mais je vous donne une étymologie que j'ai trouvée tout à fait intéressante dans le dictionnaire historique de la langue française. Paria est un nom masculin emprunté par l'intermédiaire du portugais paria en tamoul, parayan, qui veut dire « joueur de tambour ». Le mot a pris le sens de « personne appartenant à la dernière caste », probablement par une confusion due aux Européens avec un autre mot tamoul. On a aussi évoqué une évolution de sens interne. Pour Parayan, le joueur de tambour étant considéré comme un impur parce qu'il accompagnait les morts dans les cortèges funèbres. Mais les hors-castes pratiquaient en général d'autres professions liées à la souillure. Donc, le paria est le joueur de tambour qui accompagne dans les cortèges funèbres les morts à leur dernière demeure. Je trouve que c'est une figure tout à fait intéressante du paria chez Gary. Ce joueur de tambour, donc, qui accompagnait les cortèges de morts, indiquait que ce n'était pas fini et que c'était fini en même temps, qu'il y avait sans cesse à recommencer. Alors, comment terminer cette affaire-là ? Vous l'aurez compris, le mythe, le jongleur, le danseur, le paria, Gary, l'enchanteur, donc, n'a cessé d'expérimenter les ruses afin de détourner le regard de la mort, de détourner son regard de la mort. Et ce qui compte, ce n'est pas la part du vrai, comme il dit, et la part du faux, mais la part du moindre malheur. Encore une citation de Gary. Je vais terminer en vous citant une phrase sur Rastelli, donc ce jongleur que Gary écrit dans La promesse de l'aube. Tout simplement parce que pour lui, je le redis, mais pour lui, le mouvement était le comble de la grâce. Gary écrit: j'ai vu le grand Rastelli, un pied sur un goulot de bouteille, faire tourner deux cerceaux sur l'autre pied, replié derrière lui, tout en tenant une canne sur son nez, un ballon sur la canne, un verre d'eau sur le ballon, et en jonglant en même temps avec sept balles. Je croyais voir là un moment de maîtrise totale et incontestée, un instant souverain de victoire de l'homme sur sa condition. Mais Rastelli est mort quelques... C'est toujours Gary qui parle, hein. Mais Rastelli est mort quelques mois plus tard, désespéré, après avoir quitté l'arène sans être jamais parvenu à saisir la huitième balle, la dernière, la seule qui comptait pour lui véritablement. Fin de citation. Évidemment, la dernière balle a fini par avoir raison du jongleur Gary, puisque la dernière balle sera pour lui
ce sera probablement sa huitième à lui, il la saisira, la recevra dans une maîtrise absolue pour montrer à quel point il était le plus grand jongleur du monde. Merci. Merci. Donc, merci Laurie pour cette traversée dans l'œuvre de Gary qui est vraiment passionnante. Alors bon, il y a bien sûr énormément de fils qu'on aimerait tirer pour discuter avec toi sur cette question, mais il y en a un que j'aimerais essayer de tresser avec toi, si tu veux bien, c'est la question du trompe-l'œil. C'est-à-dire oui. Que c'est quelque chose que tu as quand même amené très régulièrement. Alors, j'entendais en fait dans ce que tu amenais, ce trompe-l'œil, il pouvait être soit du côté de Gary, c'est-à-dire que lui-même se constitue comme trompe-l'œil, et donc c'est la question de la mascarade, avec ce que ça implique comme stratégie féminine. Donc c'est-à-dire la mascarade qui vient voiler le rien, qui permet effectivement de faire en sorte que l'autre ne soit pas confronté à ce rien, hein. Et c'est les stratégies bien sûr baroques telles que tu le rappelais, hein, c'est-à-dire que les coupoles baroques sont une espèce de surcharge représentationnelle, mais chaque fois en fait notre regard est visé vers le rien, hein. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut voir, c'est rien. Il n'y a rien à voir, quoi. Et c'est la même chose pour Gary, semble-t-il. Et puis aussi, se constituer comme trompe-l'œil, mais du côté du leurre, comme les animaux qui, par exemple, font le mort pour ne pas être chopés par le mort, hein, par la mort qui est l'ennemi. Et donc là, on se dirait, ça serait Gary qui se constitue comme trompe-l'œil. Et puis, j'ai entendu aussi qu'il pouvait y avoir une autre direction. Ça serait l'œuvre qui se constituerait comme trompe-l'œil. Et là, on retrouverait à ce moment-là la stratégie de la sublimation, telle que Lacan en parle lorsqu'il dit que sublimer, c'est élever l'objet à la dignité de la chose. C'est-à-dire créer un dispositif qui permet à la fois de venir contacter cette absence, ce vide de l'objet, et en même temps le tenir à distance. Alors, est-ce que j'ai bien entendu ces deux voies, ou est-ce que je force ton interprétation de ce fonctionnement du leurre de Gary? En fait, un des points qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai découvert l'œuvre de Gary, c'est que il n'y a pas de différence, en fait, entre lui et son œuvre. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on peut dire, comme il y avait dans la gare des Michards à l'époque, sa vie, son œuvre. C'est-à-dire, en fait, c'est véritablement un projet, son projet esthétique. C'est pour ça que je dis à chaque fois projet esthétique et projet éthique. Parce que c'est aussi une façon de se... son œuvre, c'est la part... c'est lui, enfin, dans le sens où ça n'est pas simplement une sublimation dans le sens de destin pulsionnel qui pourrait avoir un objet suffisamment narcissisant. Enfin bon, à la fois, comme tu le dis, du côté de chez Lacan ou bien du côté de chez Freud, c'est-à-dire que ce que je trouvais intéressant dans ce personnage, en fait, c'est un personnage. C'est véritablement le fait que son œuvre, lui, le maintient de façon métaphorique, métamorphique, enfin tout ce que j'ai pu dire, en dehors de quelque chose qui l'effondrerait, c'est-à-dire la mélancolie. Alors en même temps, quand je dis ça, en le disant, je me dis, ça fait trop défensif, c'est-à-dire c'est comme s'il fallait... voilà, comme si c'était encore de l'ordre d'un symptôme qui serait du côté d'une défense qui lui permettrait d'échapper à la mélancolie. Mais c'est plus que ça chez Gary. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de la représentation, mais de la production permanente. C'est-à-dire que... et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. On n'est pas seulement du côté de la représentation, justement. Hein.
où il faut dire, où il faut trouver un sens, où il faut trouver une vérité, ou etc. Mais on est du côté de la production, c'est-à-dire que s'il y a un point d'arrêt, ben c'est un point de chute, enfin c'est un point de vide, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui n'a, qui ne, c'est une œuvre, parce que c'est une œuvre d'une abondance absolument incroyable. Hein, c'est-à-dire, et même quand on considérait que Gary était mort, et ben il fait naître Ajar, quoi. Et on se demande même aujourd'hui, enfin les personnes qui travaillent sur Gary, hein, les exégètes, se demandent même s'il n'y a pas eu d'autres productions littéraires. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, c'est une production incessante. Je voudrais Elisabeth. justement rebondir là-dessus, parce qu'il me semble que dans Pseudo, il pose vraiment la question de la création, qui est notre thème de travail cette année, c'est-à-dire comment écrire une œuvre en échappant à l'auteur. Exactement. Et comment il va jongler justement avec toutes ses identités Exactement. pour arriver à une sorte d'auto-engendrement, pour échapper à ce qu'il appelle le maître mot, qui est l'appartenance, qui mouline à tour de bras dans Pseudo. Et je crois que c'est ça. Et j'adore cette expression de simultanéité Contradictoire. contradictoire. Et c'est exactement ça. Par cette espèce de tourbillon dans les identités, dans les productions littéraires, etc., arriver à cet auto-engendrement pour évacuer la question de l'auteur. Et du coup, c'est ça que je trouve tout à fait, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites là, et je trouve que précisément cette idée de subjectivité sans sujet, c'est-à-dire qu'il produit une position subjective, mais sans être pris dans, justement, qu'est-ce qu'un auteur, si on veut reprendre la conférence que Foucault avait donnée dans les années 70, mais c'est vraiment sans être pris dans cette espèce d'incarnation, en fait, qui est plus fausse que l'on croit. Hein, et je crois que là, il trouve quelque chose de tout à fait intéressant, c'est-à-dire que qui parle, quoi? Parce que c'est si important de le savoir. Mais surtout que ça échappe sans cesse. C'est-à-dire, et là, on est vraiment dans le je n'est pas le moi, quoi. Enfin, voilà, c'est-à-dire que la question de la vérité de l'auteur ou du... Il va convoquer la folie, Oui? il va mettre en place l'auteur. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Mais Pseudo est un livre extraordinaire sur ces questions-là, quoi. Hein? C'est là où il dit justement, mais il y a rien à, y a, la question n'est pas de cacher quelque chose. C'est pas ça du tout, quoi. Et c'est d'autant plus intéressant quand on travaille un petit peu, on exerce la psychanalyse, c'est-à-dire que ça décentre complètement du côté de l'illusion de la psychologie des profondeurs, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans quelque chose de la profondeur. Il est justement quelque chose d'une espèce de... Alors, c'est un peu anachronique ou bizarre de le dire pour Gary, mais c'est totalement rhizomatique, quoi. C'est vraiment... C'est en surface et en réseau que ça se passe pour lui. Beaucoup plus que d'aller chercher quelque chose qui serait à découvrir ou à dévoiler. Il n'y a pas de dévoilement chez lui. Il y a du surgissement, quoi. Ce qui est Est-ce que évidemment... vous avez trouvé la trace de la mère pour tout ça? Parce que la fondasse mère chez lui, sa mère voulait qu'il soit ambassadeur très, très jeune. Il dit que sa mère voulait qu'il soit Il dit. ambassadeur. Alors, est-ce que c'est pas déjà un masque? Est-ce que c'est sa mère qui lui a imposé ça? Mais moi, Ou alors... c'est tout à fait intéressant parce que justement dans la biographie de Anisimov, Myriam Anisimov, j'ai été absolument étonnée de voir à quel point, et ce n'est pas la seule, hein, parce qu'il y a eu beaucoup, enfin il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit sur Gary, mais j'ai tout à fait été impressionnée de voir à quel point. Et notamment pour La Promesse de l'Aube, donc puisqu'il met en scène sa mère, tout d'un coup, il n'y avait pas de distance entre l'énonciation et l'énoncé. C'est-à-dire que ce qu'il fait dire à sa mère, on considérait que c'était sa mère qui lui avait dit. Ce qui est quand même assez insolite. C'est-à-dire tout d'un coup, comme si la fiction n'était plus en scène. À partir du moment où il y a la mère, tout d'un coup, il n'y a plus de fiction, quoi. C'est quand même un vrai problème, en tout cas, non pas pour Gary, mais enfin, en tout cas, pour ceux qui écrivent sur Gary. Enfin, en tout cas. Bon, mais l'idée, là, c'est... Il invente une mère. Bien sûr. Je vois pas pourquoi, tout d'un coup, il a inventé des tas de personnages, et juste pour La Promesse de l'Aube, quand il met en scène sa mère, il n'inventerait pas sa mère. Ça serait quand même... Attends, Léo. Alors moi, je voulais vous demander, ce terme de paria, c'est un terme qu'il a utilisé lui-même pour se définir ou c'est un terme que vous avez utilisé pour...
Alors, en fait, c'est un... Je n'ai pas trouvé dans son œuvre. Parce que moi, ce qui m'interpelle dans votre présentation, vous parlez beaucoup de mélancolie de rien. C'est vrai que dans la recherche de rien, on peut penser à quelque chose d'un tout, finalement, à l'opposé, d'une recherche plénière. Dans la présentation que vous faites, quand même, il y a ce côté de toute puissance qui ressort pas mal. Et vous le citez en disant, par exemple, que la mort est la seule chose effective ou quelque chose, une phrase approchant là, de ceci. Et le paria vient alors être le joueur de tambour qui accompagne la seule chose effective. Et pour quelqu'un qui est dans le rien, je trouve qu'être finalement la seule chose plénière, c'est assez énorme. Donc cette mélancolie-là, je voulais vous interroger dessus, parce que dans un mois complètement déconsistant, avoir une recherche de toute puissance, je suis assez surpris de... Donc savoir quelle est la mesure de ce que vous y avez apporté, ou si c'est vraiment présent dans l'œuvre, cette toute puissance, c'est quelque chose que moi j'ai décelé dans votre présentation, ou dans l'œuvre c'est quand même quelque chose qui est prégnant et qui existe. Alors, il y a plusieurs choses, en fait. Je ne sais pas si je vais par où prendre les choses. Ce qui m'a intéressé dans le terme de paria, c'est d'abord l'étymologie qui renvoie à jongleur. Donc, c'était le tissage que je faisais entre le jongleur et cette position, justement, d'inassignable. Dans toute son œuvre, Gary dit qu'il est apatride, inassignable, inidentitaire, enfin, ce que... Donc ça, c'est un premier point, l'une des raisons pour lesquelles j'ai convoqué ce terme de paria. Alors, l'autre point, sur la question de la mélancolie. Alors, ça, c'est un terme qu'il emploie très souvent. C'est un terme qu'il emploie très souvent, et je l'ai cité aussi, le terme de rien, où il revient là-dessus. Bon. Je vais vous faire une réponse qui ne va pas me convenir, mais parce qu'elle est plutôt sur le versant de la psychopathologie, mais si on considère que l'un des points de la mélancolie, c'est précisément un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire de déconsistance, on peut évidemment considérer que le contrepoint, ce serait une tentative ou une défense par la toute-puissance. Voilà, ça c'est un point qu'on peut considérer. Enfin, l'impuissance et la toute-puissance sont les mêmes. C'est exactement le même fonctionnement. Pourquoi j'hésite toujours un peu à convoquer ces termes de toute-puissance ou de. Parce qu'elle risque, pour moi, elle risque de faire glisser du côté d'une pathologisation ou soit d'une façon d'aborder une œuvre ou un auteur du côté de la pathographie, hein, ce que j'appelle la pathographie, enfin, ce qui n'est pas du tout ma démarche, mon point de vue, ou je ne sais pas si Gary était dans une toute-puissance ou dans... Ce qu'on constate, c'est que dans ces œuvres sont effectivement débordantes, abondantes. On est du côté de l'excès, du baroque, du multiple, du divers. Il est beaucoup plus. Ce sont des termes que je convoquerai davantage pour parler de Gary. Et donc de l'inassignable, parce qu'on ne peut pas l'attraper, en fait. C'est-à-dire c'est dans ce sens-là. Et d'ailleurs, si je dis ça, ce n'est pas une interprétation que je donnerais de Gary, c'est parce qu'il le dit lui-même. Hein. C'est-à-dire que dans Pseudo et dans d'autres ouvrages, il dit, vous l'avez rappelé, hein, c'est-à-dire que pour lui, les termes d'appartenance ou d'identité sont des termes qu'il déconstruit. Alors ça, ce n'est pas un de ces termes, mais chez lui, c'est très important de déconstruire ces termes-là. C'est-à-dire que s'il y a un auteur... Je trouve très intéressant, en tout cas dans la littérature, à travailler du côté de qu'est-ce que ce serait que la déconstruction identitaire. Je trouve que Gary, là, nous apporte des choses tout à fait intéressantes. Ça peut paraître bizarre, hein, parce qu'on l'a considéré comme un auteur mineur, pas intellectuel, je ne sais trop. Mais aujourd'hui, quand on le lit, il est vraiment du côté de cette déconstruction-là. Donc du paria, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est ça va dans... Justement, pour poursuivre sur cette lignée, enfin, je me demandais si ce qui est intéressant là, dans cette lecture, dans cette œuvre, c'est moins Gary, justement, comme
oui, enfin, vu du côté sous le prisme de la psychopathologie, ou c'est est-ce que ce que cette œuvre-là peut nous apprendre de la pratique du psychanalyste ? Et oui. La pratique du psychanalyste, là, du coup, psychanalyste avec un Y, quoi, pas les fameux istes qu'il essaye de renier comme ça, mais c'est en quoi, justement, le psychanalyste, finalement, dans sa journée, on pourrait dire, de pratique, ne cesse de jongler aussi une journée d'analyse. Ah oui, dans ce sens-là. Une journée de jonglerie avec des masques derrière lesquels les analysants viennent peut-être mettre leur petit rien, quoi. Mais justement, enfin, c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est la façon dont Gary ne vient pas être un potentiel patient, enfin, soumis à la pathographie ou à la psychopathologie, mais en quoi il vient interroger l'analyste dans son usage et dans son art des masques. Je pensais notamment à ce que dit Lacan à la fin de la troisième, il dit même comme bouffon, vous êtes justifié d'être. Oui, oui. Voilà. Regardez-moi dans télévision, je suis un clown. Oui, oui. Prenez exemple sur moi et surtout ne m'imitez pas. Mais alors là, je suis absolument 150% d'accord avec ce que tu dis. Alors avec deux choses, parce qu'il y a deux choses, il y a dans ce que tu dis qui sont tout à fait intéressantes, c'est-à-dire que à la fois dans la journée, comme tu dis, du psychanalyste, effectivement, la danse avec le... Voilà, pour ne pas être écrasé sous le poids, hein, et le jonglage. Donc ça, c'est tout à fait une chose tout à fait importante. Exercer la psychanalyse, comme Gary nous le fait entendre, si on tord les choses comme ça, c'est-à-dire que ne pas chercher à savoir, ne pas aller du côté d'une vérité qui serait une vérité d'une personne, quoi. C'est ça aussi ce qui est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que, là encore, c'est moins du côté de la profondeur des profondeurs que du côté de la production, une production de soi, quoi, une invention de soi. Et d'entendre que ceci n'est pas que défensif, mais aussi productif, d'entendre que ce sont des positions subjectives qui échappent à toute normativité, quoi. Voilà, pour le dire comme ça. Et dans Pseudo, enfin, sa bête noire, si on peut dire, c'est le psychiatre. Mais bien sûr. Qui, comme thérapie, veut le faire écrire à marche forcée. Oui, 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 absolument. Mais le psychiatre, c'est aussi une de ses identités. Oui. Un dédoublement de lui-même aussi. Dans... Mais c'est pour ça, quand il dit « j'ai été guéri », voilà, et remis en circulation. C'est intéressant quand il dit voilà, j'ai été guéri et remis en circulation. C'est-à-dire que vraiment, bon, bah voilà, il y a d'autres passages extraordinaires. Avec un permis d'écriture. Ouais, oui, oui, oui. Voilà, il joue de ça. Je crois que il y a effectivement à prendre très au sérieux la question de la bouffonnerie, quoi. C'est ça aussi, hein, il nous dit. C'est vraiment, voilà, de prendre très au sérieux le fait que ces choses-là soient comiques. Et c'est vrai que le problème, c'est que. Je crois, pour certains en tout cas, que on n'a pas suffisamment entendu le sérieux que Lacan disait quand il disait qu'il était un bouffon et un comique. C'est-à-dire que, et c'était très important dans son énonciation, ça ne veut pas dire qu'il disait des bêtises, mais que son style était lié aussi à quelque chose d'une que dans le tragique il y a du comique et voilà quoi, hein, et inversement. Et donc là, Lacan en a parlé beaucoup, l'action du style. On pourrait évidemment retravailler toute cette question très importante, je trouve, qui est la question du style. Voilà, Gary, malgré tout, même s'il échappe à toute, toute entomologisation, on peut difficilement l'épingler comme un... Entomologisation, voilà, exactement. Même s'il échappe à tout ça, malgré tout, je crois qu'on peut lui repérer un style, quand même. J'aimerais poser une question. Dans La promesse de l'aube, Gary reçoit des lettres de sa mère. Et quand Gary appelle la guerre, arrive au Gonzalea pour voir sa mère. Sa mère n'est plus. Sa mère était morte 2 ans auparavant. Mais il a reçu les lettres jusqu'à la fin. Est-ce que c'est authentique? Tout est
de fiction. C'est pas. Sa mère aurait, paraît-il, écrit. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Pour qu'il les reçoive. Oui, oui. Son retour de la guerre. Mais c'est tout à fait. Moi, je trouve que c'est tout à fait intéressant et un peu singulier que Gary ait suscité autant de commentaires ou d'entreprises de véridiction. C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça... La question que vous posez, hein, il y a eu des tas de questions autour de mais est-ce que, voilà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Je trouve ça tout à fait intéressant qu'un auteur, un écrivain, qui est à la fois, enfin, qui est autant écrit sur la fiction et la légende et la mythologie de soi, etc., ait suscité autant l'envie de savoir si c'était vrai, quoi. Il s'est revendiqué comme gaulliste. Il n'est pas l'église, mais il s'est revendiqué comme l'église. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il a débarqué en Colombie les deux églises le jour des funérailles De Gaulle, oui. Avec toutes ses médailles. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ouais. Je ne sais pas, mais j'ose croire, en tout cas j'ai envie de croire, que quand il est arrivé avec son plastron de général russe, là, c'était aussi un tout petit peu parodique. Alors, sur le fait qu'il ait considéré que De Gaulle avait été le libérateur de la France, là, il n'est pas le seul. Et qu'il lui doit, il lui a... Voilà, il a... Parce que, malgré tout, il est quand même entré dans l'armée. Il voulait être un héros, hein. Sa mère, dit-il, lui a dit, tu seras un héros. Donc, après, qu'il nous fasse croire qu'il a répondu au désir de sa mère, si on a envie de le croire, voilà, on peut le croire. Alors ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais est-ce que il y a une très jolie phrase, il dit voilà, je commence à vieillir, je commence à avoir les cheveux blancs et je vais sur mes 8 ans. Et c'est intéressant parce que dans beaucoup de ses ouvrages, il donne un statut à l'adulte qui est pas très réjouissant, quoi. Dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, comme si être adulte, c'était ne plus croire aux histoires. Et ne plus croire aux histoires, quoi, ne plus croire aux contes, ne se demander si c'est vrai ou pas, est-ce que c'est ça, être adulte. Alors, à cet égard-là, il y a un bon mot que Lacan dit, que vous retrouvez d'ailleurs dans les bons mots de Lacan, donc, c'est rapporté. il paraît que dans une soirée, Lacan devait avoir entre 75 et 80 ans. Il commençait à être un peu âgé, en tout cas. Et donc, il y a une jeune femme qui vient vers lui et qui... Voilà, il lui fait un peu les yeux doux. Et donc, elle lui dit, mais je voudrais savoir quel est votre secret. Demande-t-elle à Lacan, sachant très bien qui est Lacan. Hein, voilà. Et donc, il y aurait répondu, je vais vous dire mon secret. Vous voulez savoir mon secret? Ah, évidemment, elle dit, bien sûr, je veux savoir votre secret. J'ai 5 ans. Ben, et je trouve que ça va... C'est tout à fait... ça peut tout à fait aller à... Cette phrase peut tout à fait aller à Romain Gary. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a cessé de continuer de penser que raconter des histoires, écrire des contes, permettait de... Mais madame, quand on se sent rajeunir, c'est qu'on commence vraiment à vieillir. Et alors, quand on se sent vieillir? C'est qu'on a 5 ans. C'est qu'on l'a, peut-être. Très bien. Bah, écoutez, je vous propose d'en rester là. Merci infiniment, merci. Laurie. Merci. Merci à vous. Et nous vous donnons rendez-vous donc le 14 mai. Pour notre journée Théodore Haïk. Bon, allez. Merci. Je vais faire aussi. Ça va ? Oui, très bien. C'est sympa les prêts. Tu connais ça ? Ouais. C'est effectivement. Merci beaucoup. À bientôt. Non. Alors, tu parles de qui ?
l'homme est devenu adulte. Révolté, et vraiment, ça m'a fait. Hein? Je suis en train de dire l'homme révolté. Ah oui. Donc je pensais à Camille, Gary, je sais pas. Et ben voilà. Ben voilà, mais c'est bon, c'est l'occasion.